ainsi que le public, qui, pour ce premier débat de l'année 2016, a de nouveau répondu présent. Mais avant d'entamer les festivités, il est d'usage dans notre association de présenter brièvement le parcours de nos invités. Et quel parcours ? Maire du 7e arrondissement de Paris, députée européenne et ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, vous êtes la première femme d'origine maghrébine à occuper des fonctions régaliennes. Cependant, vous relativisez ses origines et vous qualifiez de fille de France d'origine modeste. Et en effet, malgré vos 1m67 avec vos plus hauts talons, vous avez su grimper l'échelle sociale et conquérir les scènes politiques françaises et européennes. Après un DEUG en économie à l'université de Dijon, vous obtenez une maîtrise en sciences économiques à l'université Panthéon-Assas, puis une maîtrise en droit public. Vous suivez également une maîtrise en administration des affaires à l'Institut supérieur des affaires appartenant au groupe HEC. Enfin, vous intégrez sur dossier l'École nationale de la magistrature et prêtez serment 2 ans plus tard. Après avoir occupé diverses fonctions en tant que magistrat, vous intégrez le cabinet de Nicolas Sarkozy en 2002 en tant que conseiller technique et êtes notamment l'auteur d'un projet de loi sur la délinquance. Cette loi a pour objectif d'améliorer les décisions de justice et la réinsertion des délinquants. En 2004, vous devenez conseiller au cabinet de Nicolas Sarkozy et devenez son porte-parole aux élections présidentielles de 2007. Vous êtes alors nommé ministre de la Justice, fonction que vous exercerez jusqu'en 2009. En effet, cette même année, vous quittez ce poste afin de vous consacrer à celui de député européen, après avoir remporté les élections sous l'étendard de l'UMP. Vous appartenez notamment à la Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et être membre de la délégation pour les relations avec les pays du Machrek, ainsi que de la délégation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Perçu à la fois comme un symbole de sarkozisme et de diversité, vous vous distinguez très tôt par votre grande détermination. Et cela a payé, puisque vous incarnez aujourd'hui l'ascenseur social et êtes même qualifié d'Obama française à l'étranger. Nicolas Sarkozy a ainsi décrit votre nomination à la garde des Sceaux comme un message à tous les jeunes de France qu'avec du travail et du mérite, tout devient possible. On vous qualifie également de femme caméléon qui sait s'adapter aux situations et aux puissants. Située par certains à la croisée entre la politique et le people, les médias vous associent souvent au glamour et vous suscitez une inflation de buzz sur les réseaux sociaux. En effet, en octobre 2012, le magazine Le Point titrait « Aussi populaire que décrié, Rachida Dati est avant tout une briseuse de code ». Vous vous gargarisez, comme vous aimez à le dire, des interviews politiques et ne mâchez pas vos mots face aux journalistes, allant parfois jusqu'à susciter la polémique. J'espère néanmoins que vous serez un peu plus clémente avec mes camarades chargés de vous interroger ce soir. Impliqué dans la lutte contre la délinquance depuis de nombreuses années, vous êtes notamment l'auteur d'un rapport sur la prévention de la radicalisation et du recrutement des citoyens européens par des organisations terroristes. Celui-ci a été voté à une large majorité au Parlement européen en novembre dernier. Vous êtes également rapporteur pour la droite européenne sur une des mesures phares visant à gérer la crise migratoire, avoir une liste commune européenne de pays dits d'origine sûre. Et c'est donc sur ces deux sujets que nous sommes particulièrement désireux de vous entendre, vous et vos avis tranchés, loin de la langue de bois souvent allouée aux politiques. Ainsi, je laisse la parole à mes camarades Charlotte Kissler et Victor Tailleur pour la suite du débat. Bonne soirée et bon débat à tous. Des géants de l'Internet dans la diffusion de contenu incitant à la haine. Ma question, c'est, on n'arrive pas à leur faire payer des impôts, donc comment on va les forcer à retirer du contenu? Merci d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour un sujet que je considère important. Je voulais vous remercier aussi, remercier la petite jeune fille qui est partie pour leur portrait. Pour le contact que vous avez fait. Vous savez, quand c'est agréable, je suis toujours surprise. Parce que, genre, c'est agréable au départ, ça se finit moins bien. Mais en tout cas, je voulais vous remercier du portrait que vous avez fait. Je veux juste dire, parce que je vois effectivement cette assemblée, c'est Dauphine que j'ai aussi connue. J'ai continué beaucoup moins divers, et donc je suis ravie que ce soit beaucoup plus divers aujourd'hui, à tout point de vue, en termes d'origine, mais aussi en termes de conditions sociales.
Et le portrait que vous faites, effectivement, c'est un résumé un peu académique d'un parcours, mais ce que je, le message quand vous dites, je veux pas qu'on, c'est que sur l'origine, je n'ai absolument pas de reniement sur mon origine. Je dis simplement, il ne faut pas réduire cela à l'origine, que ce soit ma nomination ou mes convictions ou mes positions. Et donc, c'est souvent le travers qu'ont certains journalistes ou même certains commentateurs de vouloir vous réduire. C'est-à-dire, quand on veut être effectivement désagréable avec vous, on vous réduit au plus petit dénominateur commun. Ce que, évidemment, vous n'avez pas fait. Mais c'est vrai que, et là, c'est pas, c'est au-delà du débat partisan, je pense que ma nomination, comme porte-parole d'abord, puis ensuite comme ministre, a permis d'avoir le gouvernement que nous avons aussi aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tous les prochains présidents ne pourront pas faire autrement que de faire plus de parité, plus de diversité, mais aussi plus de diversité, y compris sur les conditions sociales. Je veux vous le dire parce que si certains d'entre vous sont intéressés par exemple à la politique, moi je considère que la politique, justement, c'est le moyen de se battre pour des libertés, pour des convictions, pour de l'égalité, pour de l'équité, et à la fois c'est le milieu le plus... j'allais dire le plus élitiste, le plus, j'allais dire, corporatiste. Pourquoi ? Si demain vous voulez vous engager en politique, eh ben, il faut avoir les moyens de le faire. Moi je vois par exemple, je prends toujours cet exemple, quand, j'ai voulu, quand je me suis représentée pour la mairie du 7e, j'ai voulu varier ma liste, et, notamment mes adjoints ou mes colistiers ou mes conseillers. J'aurais voulu avoir des membres de ce conseil municipal beaucoup plus représentatifs de l'arrondissement, que j'ai l'honneur d'administrer aujourd'hui, mais que ce soit les gardiens d'immeubles ou une vendeuse dans une grande surface, ce qui existe aussi dans cet arrondissement. Et à chaque fois, la difficulté a été, pour ces femmes en l'occurrence, que si elles s'engageaient en politique, elles ne pourraient plus travailler. Parce qu'il faut assister au conseil municipal, il faut faire campagne, il faut être présent pour diverses réunions, pour les commissions. Et donc, si vous avez votre activité politique, forcément, et vous avez un régime indemnitaire qui n'est pas très élevé, moi je ne suis pas payée comme maire, je suis uniquement payée comme parlementaire. Mais si vous êtes payée comme maire, j'aurai une indemnité. Mais pour ces conseillers, ces adjoints, les indemnités sont extrêmement faibles. Et donc l'engagement politique a un coût, à tout point de vue. Un coût personnel, mais aussi un coût matériel. Et donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup en politique des gens qui ont les moyens de faire de la politique. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle jamais. Mais c'est une réalité. Et moi, je trouve que la politique gagnerait à ouvrir un peu plus, à ouvrir beaucoup plus, et en donnant peut-être, en réfléchissant, au statut de l'élu. Parce qu'un statut de l'élu, ça permettrait de diversifier la politique. On parle en ce moment débat, notamment à l'approche des échéances, tout le monde parle de renouvellement, de refondation. Mais on ne va pas renouveler, on va prendre... On va faire de la reproduction sociale. On va peut-être renouveler sur les personnes, mais pas dans la condition. Et moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus grave. Ça, quand tout le monde dit, oui, faut plus jeune, pas plus jeune, faut renouveler. Mais ça n'a pas de sens si on prend effectivement toujours les mêmes catégories. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va arriver au rapport effectivement sur la radicalisation. Quand il y a eu les attentats du mois de janvier 2015, le Parlement européen m'a proposé de faire un rapport sur la prévention de la radicalisation, mais aussi sur la lutte contre le recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes. Parce que ce qui est nouveau aujourd'hui en Europe, c'est que les terroristes sont de plus en plus des citoyens européens. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'aller en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye. Quand vous rencontrez d'ailleurs les autorités, ils vous disent « Mais attendez, mais nous, on se bat déjà contre les terroristes locaux, mais nous sommes débordés par aussi des terroristes qui viennent de l'Europe. Donc toutes les autorités ou les gouvernements demandent à l'Europe de récupérer les leurs. Et donc c'est devenu un vrai sujet. Et donc ce rapport était nécessaire que ce soit fait. Donc j'ai pu faire un état un peu comparatif au niveau européen. Et sur la radicalisation, par exemple, nous sommes un des rares pays, pour ne pas dire le seul pays, confronté effectivement à ce phénomène, à ce fléau, à être très en retard. Et je le dis, et je le redis, nous sommes au degré zéro de la lutte contre la radicalisation.
C'est une réalité. Aujourd'hui, quand on vous parle de création de centres de déradicalisation, oui, on peut en parler, on peut le créer. Mais qu'est-ce qu'on y met? Qui va déradicaliser? Sur quelle méthode? Avec quels acteurs? Par quel angle? Aujourd'hui, le concept... Oui. Non mais, là, c'est pour vous donner le contexte de ce rapport. Parce que je l'ai bien étudié, on a des questions très précises sur chaque... Donc je me retiens. Même moi, regardez, parce qu'on regarde sur un pied aussi. Donc, en fait, j'ai commencé par Internet, parce qu'on est universitaire. Ah oui, alors sur le net... assez jeune. Et donc, je sais. Je me disais, au niveau d'Internet... Alors, sur le net, parce que la radicalisation, deux voies de radicalisation majeures. Internet et les prisons. C'est plus de 90% de la radicalisation. Tous les jeunes, regardez sur les profils qui ont été reconnus, pas dans le cas de auteurs des actions terroristes, où ils sortaient de prison, où ils avaient séjourné en prison, oui pour d'autres, radicalisation sur le net. Donc là, et c'est la première fois, et c'est une première, au sens par rapport au sujet, j'ai pu voter à une très large majorité au Parlement européen, et croyez-moi qu'au Parlement européen, c'est très compliqué. Tout ce qui a trait à la liberté d'expression, on n'y touche pas comme ça. Et là, ça a été adopté à une très large majorité, la responsabilité pénale des géants du net. Parce qu'aujourd'hui, les géants du net ne peuvent pas se contenter de dire « on diffuse », puis si vous vous dites de retirer, on retire, mais on diffuse. Parce que toutes ces vidéos, tous ces sites qui incitent à la haine, au crime, à la barbarie, que ce soit les vidéos de Daesh, quand vous appuyez sur les mots-clés, ça sort très haut, ça sort en premier. Et donc, quand ça sort en premier, c'est très regardé, mais c'est aussi, ça génère des recettes financières. Et les géants du net, ils le savent très bien, ne serait-ce que Facebook ou autre. Moi, j'avais, comme ministre, on a réprimé ce qu'on appelle le happy slapping. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des vidéos, les diffuser ensuite sur les réseaux sociaux. Donc on a bien un moyen, effectivement, de l'empêcher. Et aujourd'hui, les géants du net laissent faire, et quand les autorités leur disent « faut enlever tel contenu », ils l'enlèvent aussi celle. Donc, aujourd'hui, on leur demande, en tous les cas, d'enlever spontanément, mais s'ils ne le font pas, moi je souhaite qu'il y ait une responsabilité pénale de ces géants du net. Quand vous dites ils ne payent pas d'impôts, non, ce n'est pas qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils bénéficient d'une optimisation fiscale qu'ils demandent à quelqu'un. Donc c'est pas, ce ne sont pas des fantômes. Moi je vois au niveau européen, je sais de quoi je parle, puisque quand j'ai proposé cette mesure, on a eu une forte pression de ces géants du net. Donc ils existent bien. S'ils savent nous pressuriser ou nous mettre des petits coups de l'attention, de la pression, c'est qu'ils existent. Et donc, aujourd'hui, il faut leur demander de dire... On ne peut plus leur dire, écoutez, faites ce que vous pouvez et le reste, l'État s'en occupe. Non. Ils ont assez d'argent pour mettre en place des contrôles internes pour éviter que ces sites ou ces vidéos soient diffusées. Donc, la responsabilité pénale, pour moi, est extrêmement importante. À défaut, évidemment, il faudrait les considérer comme complices. Vu qu'aujourd'hui, d'accord, limiter l'Internet légal, c'est important, mais est-ce qu'on ne va pas aussi essayer d'utiliser Internet comme un moyen de contre-discours par rapport au discours de haine, du terrorisme? Parce qu'aujourd'hui, ça semble un peu illusoire, en fait, de censure Internet, parce qu'en trois clics... C'est pas de la censure. Non, mais les sites pédophiles... Oui, mais il y a... C'est pas de la censure. Mais par exemple, récemment, il y a eu une étude sur le dark web, oui. Ce qui est accessible vraiment... Bah, notamment, sur le dark web, tous les trafics dessus. Tous les trafics de stupes, oui, voilà. Tous les sites pédophiles. Mais justement, on devrait empêcher ça. On n'est pas dans la censure. Censurer, c'est empêcher quelque chose de licite. Là, on n'est pas dans la censure. On voudrait empêcher quelque chose d'illicite et d'illégal. Inciter à la haine, inciter au meurtre, faire des vidéos comme celles qui sont diffusées, c'est totalement pénalement répressible. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que les géants du net prennent leurs responsabilités. Mais ils le savent, parce que je vous dis, en ce moment, ils sont très avenants avec nous, parce qu'ils savent très bien que ça peut leur tomber sur le coin du nez. Donc, parce que demain, moi je serai magistrat aujourd'hui, je ne pourrais pas exclure de pouvoir les attraire au pénal, si on démontre qu'un jeune s'est radicalisé par un sur le net. Et en ce qui concerne les prisons, votre rapport est assez flou, il conseille l'échange des bonnes pratiques. Mais qu'est-ce que l'on fait concrètement dans les prisons pour éviter la radicalisation ou au contraire déradicaliser? Vu l'actualité d'aujourd'hui, je ne peux pas être désagréable. Mais. Parce que le sujet est très sérieux et très grave, et je vous invite à voir toutes les réactions de l'administration pénitentiaire. Pas d'aujourd'hui, mais en particulier aujourd'hui, mais depuis un certain nombre d'années. Vous savez,
tout à l'heure, vous parliez de contre-discours, c'est effectivement ce que je propose dans mon rapport, et ce qui commence à être fait sur le net. Parce que là, vous avez des sites officiels qui appellent un contre-discours. Mais le contre-discours est très compliqué à construire. Moi, j'avais été très frappée le 11 septembre 2001, j'étais en audience au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Et on était en audience, donc je faisais comparer des condamnés pour les mesures de réinsertion ou d'aménagement de peine, ou de voir différents des condamnés. Les attentats du 11 septembre surviennent, et pratiquement le lendemain, lors d'audience, moi j'ai été très frappée par de nombreux détenus qui appelaient à la gloire, notamment Oussama Ben Laden. Ils ne le connaissaient pas la veille, je le tiens à signaler. Et on a vu cette radicalisation se produire, moi je l'ai signalé, nous sommes d'autres magistrats de l'avoir fait, mais on a laissé faire certains en se disant on ne sait pas faire, d'autres en disant tout ça n'est pas très grave, et d'autres en disant il vaut mieux qu'ils se tournent vers la religion, parce qu'effectivement il y a eu à ce moment-là une montée d'un peu un retour vers la religion qui n'était pas vraiment ça, moi j'appelle ça plutôt du repli de la radicalisation, en disant il vaut mieux qu'ils aillent vers la religion plutôt que vers la délinquance ou la criminalité organisée. Donc on a fermé les yeux. Et à force de fermer les yeux, on a trouvé des foyers de radicalisation en prison. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Et du coup, à défaut de ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Non, mais ce qu'on nous, on a commencé à faire par expérimentation. D'ailleurs, il y a une prison dans la région parisienne, qui est la prison de Fresnes, qui ont été débordées par cette radicalisation et qui ont expérimenté, notamment avec des personnels pénitentiaires volontaires. Parce que vous avez les recruteurs, et ceux-là, honnêtement, c'est une cure de dur. Et donc, souvent, ils sont d'ailleurs condamnés ou poursuivis pour des faits de terrorisme, de criminalité grave. Et vous avez toute la petite délinquance du droit commun. Et vous avez des jeunes qui, comme ça, sont attirés par ces personnalités, ces individus très charismatiques, sur des discours qui leur parlent. Et ça commence comment? Ils leur disent, bon, faut plus écouter de musique, plus regarder la télé, faut plus manger certaines choses, faut plus recevoir vos familles, faut pas voir vos enfants. Et souvent, on est alerté par les familles qui disent, écoutez, on a un permis de visite, il ne veut plus qu'on vienne le voir, que se passe-t-il? Et d'autres disent, moi je me souviens, certains jeunes venaient en disant, oui, enfin, moi le discours m'intéresse, mais franchement, plus regarder la télé, plus écouter de musique, c'est tout ce qui me reste quand même en détention. Et donc, c'est comme ça qu'on détecte des individus qui sont sur un processus de radicalisation, et là, on les récupère. Mais tout ça est très empirique, c'est très expérimental, parce que moi j'étais sensible à ces sujets, des surveillants pénitentiaires étaient aussi, mais avec aucun soutien par ailleurs. Donc on était de manière assez radicale. Donc, sans aucun soutien, ou alors quand on en parlait, personne ne comprenait. Lorsque je deviens garde des Sceaux, il y a une mesure que j'ai prise, qui, bon, je me rappelle à l'époque que je n'ai pas été soutenue, mais qui était pour moi importante, c'est en 2008, suite d'ailleurs à il y a deux choses que je fais. Je fais une visite en Angleterre, parce qu'eux sont très en avance sur la lutte contre la radicalisation. Et sur, il y a deux mesures que je prends suite à cette visite dans les prisons anglaises. Je crée le contrôleur général des lieux de privation de liberté. En Angleterre, il n'avait que le contrôleur des prisons. Et en fait, le contrôleur des prisons avait détecté ces radicalisations. Et ils avaient fait des propositions au gouvernement en disant « Attention, il y a un nouveau phénomène qui se produit en prison ». Qui conduit ou qui génère une autre forme de délinquance, une autre forme de criminalité. Et donc, moi, je suis allée plus loin, je me suis inspirée de ce modèle, j'ai créé le contrôleur des lieux de privation de liberté qui va contrôler les gardes à vue, les locaux de garde à vue, de rétention, les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Donc, ça, c'était important. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai signé un programme dont je me suis inspirée en Angleterre, qui était la lutte contre la provocation du salafisme en prison, qui conduisait à la radicalisation. Mais j'ai été soutenue par personne. Ce programme, je l'ai signé en 2008 avec l'administration pénitentiaire, j'ai mis les moyens et tout le monde m'a dit, mais ça sert à rien. Et j'ai triplé le nombre d'aumôniers musulmans en prison. Donc tout ça contribue à lutter contre ce phénomène. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire. Croyez-moi que les autres pays, que ce soit la Belgique, la Hollande, le Danemark, l'Angleterre, sont beaucoup plus en avance que nous sur la lutte contre la radicalisation, notamment en prison. Donc en prison, ce serait bien. Vous pensez à l'isolement des... Alors moi j'étais assez favorable qu'on isole les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. Et en fait en discutant avec des magistrats, et notamment des magistrats antiterroristes, ils considéraient qu'il ne fallait pas les isoler vers l'isolement total, mais les mettre un peu à l'écart. C'est-à-dire qu'au lieu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité un établissement pénitentiaire, vous avez l'isolement total qui est très éloigné,
avec un régime particulier à part des conditions de détention totalement différentes. Mais là, c'est plutôt mis en écart en laissant, par exemple, dans un bâtiment, laissant un étage ou certaines cellules pour pouvoir voir le processus de radicalisation, identifier les recruteurs et identifier ceux qui y vont et ceux aussi qui veulent en sortir. Donc c'est plutôt une mise à l'écart plutôt qu'un isolement. L'autre chose qu'on a soulevé notamment les magistrats antiterroristes, c'est si jamais demain on met totalement à l'isolement, les recruteurs vont se fondre dans la masse en essayant d'éviter d'être détectés. Et donc nous, c'est une source d'information dont on se priverait, parce qu'il faut savoir, malgré l'interdiction des portables en prison, ça existe, et on a pu déjouer des attentats, en tous les cas des opérations criminelles, depuis des prisons, uniquement sur des opérations d'écoute. Donc c'est important qu'on puisse aussi se servir de ce renseignement-là. Un des problèmes qui se pose également, c'est le retour en France des djihadistes. Comment on prend en charge en fait, des jeunes qui reviennent? Parce que vous êtes pour la prise en charge de ces jeunes. Vous avez visité Guantanamo, est-ce que ça ressemble à ça, un centre de déradicalisation? D'abord, c'est un débat qu'on a eu, c'est un débat politique, qui est transparti d'ailleurs. C'est est-ce qu'on les laisse revenir? Alors l'Angleterre a fait le choix de dire on ne laisse pas revenir. Quitte à rendre même des nationaux. C'est un débat qu'on a eu aussi dans notre famille politique. Moi, je suis favorable parce que ceux qui sont français, ou même binationaux, s'ils reviennent, qu'on les reprenne. Pourquoi? Parce que certains partent, je pense notamment aux femmes et aux jeunes filles, ils partent sur une idée de, on parlait tout à l'heure du net, ou de vidéo hollywoodienne. Ils partent là-dessus, et quand ils arrivent là-bas, c'est pas du tout ça. Donc ils sont totalement traumatisés et perturbés, et ils reviennent. On ne peut pas, ce serait irresponsable de les laisser comme ça dans la nature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y en a d'autres qui vont, ils se rendent compte qu'il faut commettre des actes criminels, et là, ils ne peuvent pas. Ils reviennent. Puis il y a ceux qui sont déterminés en y allant, déterminés en y étant, et déterminés en venant, pour commettre des actes sur notre territoire. Dans tous les cas, il faut les récupérer. Ceux qui sont déterminés, on les récupère, c'est une source d'information. On a des bons services de renseignement, c'est fait, il faut récupérer. Ceux qui sont traumatisés, déstabilisés, effectivement, il faut les accueillir dans des centres. Alors, ça serait, faut trouver le statut, parce que c'est entre l'hôpital psychiatrique, en termes de statut, et la prison, parce qu'on ne pouvait pas restreindre quelqu'un de sa liberté s'il n'y a pas de condamnation. On est encore dans un état de droit. Donc, c'est de trouver un statut intermédiaire pour récupérer ces jeunes, pour les déradicaliser, ou pour les soigner, ou pour récupérer de l'information. Mais moi, je suis favorable parce qu'on les récupère. Voilà. Mais de dire Guantanamo, pourtant, moi, j'assume, j'ai été magistrat longtemps sur la criminalité organisée. Moi, je n'ai fait que de la criminalité organisée, pratiquement. Donc, je suis assez ferme et répressive. Je suis favorable, par exemple, je suis aussi assez rare dans ma famille. Moi, je suis favorable à l'aménagement des peines. Quand on parle d'aménagement des peines, ça ne concerne pas les longues peines. Donc, je suis effectivement allée à Guantanamo parce que j'ai gardé une très bonne relation avec le ministre de la Justice américain et le département d'État nous a invités, donc j'y suis allée. Moi, je ne souhaite pas Guantanamo en France. C'est assez effrayant. J'ai vu des établissements pénitentiaires un peu partout. Là, ce n'est pas un établissement pénitentiaire, c'est assez indescriptible. Je ne vous en donnerai pas les détails parce qu'il y a des choses qui nécessitent de la confidentialité, mais ce que j'ai vu, en tous les cas, ça n'est pas digne d'une grande démocratie, encore moins d'un état de droit. Et à la fois, je pense que ça n'a pas empêché le terrorisme. Et puis, pour ceux qui appellent à la radicalisation, il faut savoir que Guantanamo est devenu un moyen de radicaliser, en disant « Voyez ce qu'ils font à nos frères dans cet endroit ». Et il faut savoir que Guantanamo, depuis son ouverture, a accueilli pas loin de 1000 détenus, aussi des mineurs qui sont devenus majeurs entre-temps. Une condamnation à ce jour. Il y en a 6 qui sont en cours de ce qu'on appelle en phase précontentieuse, qui sont liés aux attentats du 11 septembre. Tous les autres, il n'y a pas de charge. Mais on ne sait pas quoi en faire parce que les pays, beaucoup de pays d'origine ne veulent pas les accueillir. Nous, on avait eu, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on avait eu un accord pour que la France en accueille certains. Le contexte politique a évolué, donc on en a accueilli en France. Aujourd'hui, en Europe, c'est très compliqué de demander à des pays européens d'accueillir des détenus de Guantanamo, même si on considère qu'il n'y a pas de charge. Donc, ça n'a rien réglé. Je pense que ça peut contribuer à une radicalisation,
Donc moi, je ne suis pas favorable à un vote à la conférence. Christine Lagarde a évoqué au forum de Davos la fin de l'espace Schengen à cause de la crise des migrants. Pensez-vous que Schengen doit être remis en cause? Schengen existe. C'est Schengen, c'est quoi? C'est un espace de liberté de circulation. C'est un acquis communautaire extrêmement important. Et si on veut le préserver, donc il faut qu'on contrôle les frontières extérieures. Si nos frontières extérieures à l'Union européenne ne sont pas contrôlées, et là, on s'y met progressivement, et moi qui voyage, je peux vous dire, vous devez l'avoir constaté, c'est pas vraiment le cas partout. Mais si nos frontières extérieures à l'Union européenne ne s'y met pas vraiment sérieusement avoir un vrai contrôle, que ce soit des contrôles biométriques, des contrôles douaniers, des contrôles avec le fameux PNR qu'on a fait voter, franchement, cet espace de liberté de circulation n'aurait plus de sens. Parce que là, les gens, ce qui se passe en ce moment, tout le monde rétablit ses frontières. Mais de dire c'est la fin de l'espace Schengen, enfin, c'est facile depuis Davos de le dire, mais dans la réalité, je ne crois pas qu'on puisse le remettre en cause. C'est un acquis communautaire auquel je tiens, auquel les Européens tiennent. Et j'allais dire, la peur n'évite pas le danger. Mais ce n'est pas parce qu'on va fermer tous nos frontières qu'on évitera le terrorisme. Au contraire, c'est d'avoir une vraie coopération entre nous déjà. Et on l'a vu, quelques failles, les problèmes de coopération d'un pays à un autre, européen, c'est d'avoir effectivement une vraie coopération pour avoir le contrôle de nos frontières extérieures, pour préserver cet espace de liberté de circulation. Nombre d'entre vous n'ont connu que ça, cette liberté de circulation. On ne va quand même pas la remettre en cause. Mais sur ce point, donc, le rapport, la résolution du coup, défend une approche globalisée du problème des migrants. Sauf que dans les faits, on voit par exemple le Danemark qui passe des lois clairement xénophobes et racistes, la Hongrie avec son dirigeant qui est, bon, enfin, c'est un dictateur, mais la Hongrie qui passe des lois clairement aussi très racistes. Donc quel message le Parlement européen envoie à ces pays-là qui ne respectent pas finalement les valeurs défendues par l'Europe? Bah écoutez, je vous invite à venir au Parlement européen. Moi, j'invite très, très régulièrement les étudiants et les lycéens, parce que ça, c'est intéressant, notamment quand on reçoit des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, parce qu'on peut leur demander des comptes. Je peux vous dire que quand le chef de gouvernement hongrois est venu, c'était très agité. On a eu un débat, d'ailleurs, j'en ai fait un communiqué, il y a deux jours, trois jours, il y a le Danemark, sur ce projet de loi qui a été voté maintenant. Notamment, on a eu un débat avec le ministre de l'Intérieur et de la Justice sur cette volonté de saisir les biens des migrants pour financer leur accueil. Ça a été très, très agité. Mais ils venaient faire leur discours et ils repartaient. Donc aujourd'hui... Oui, mais j'allais dire, c'est le propre des représentations nationales. Mais moi, c'est pas cette Europe-là que je souhaite soutenir ou défendre. C'est pour ça que nous avons intérêt à avoir une vraie coopération par des frontières extérieures, pour mettre en place très rapidement ce qu'on a appelé les hotspots, tous les lieux où on pourrait effectivement très vite, notamment examiner les demandes d'asile pour que ceux qui sont éligibles à l'asile puissent être accueillis, ceux qui ne sont pas puissent être reconduits. D'ailleurs, je suis en charge d'un rapport pour mon parti sur la liste des pays sûrs. Justement, ça, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, tous les pays, on n'a pas du tout les mêmes listes de pays sûrs. Un pays est sûr pour... un pays tiers est sûr pour un pays européen, pour la France, il peut ne pas l'être pour l'Allemagne. Le sujet de la Turquie, par exemple. Vous avez beaucoup de pays européens qui considèrent que la Turquie n'est pas un pays sûr. Nous, pour nous, on considère que c'est un pays sûr. Donc, dès lors que c'est un pays sûr, on peut reconduire les personnes venant de ces pays. Donc on est en train d'essayer d'avoir une liste européenne des pays sûrs pour pouvoir faciliter les reconduites dans les pays d'origine. Donc tout ça nous demande effectivement beaucoup de travail, mais ça demande uniquement de la volonté politique. L'Europe n'a toujours fonctionné qu'à coup de crise et a accéléré au moment des graves crises. Mais là, on est sur des crises sans précédent parce qu'on a une conjonction de beaucoup de choses. Le terrorisme, il y a un terrorisme qui est aujourd'hui commis par nos citoyens, par nos compatriotes. On est confronté à un flux migratoire. Vous savez que c'est le mouvement de population le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des phénomènes nouveaux. Et ce sont des défis auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée en étant débordée. Donc, c'est le moment que jamais. Mais justement, quand nous avions regardé, lorsque vous aviez présenté votre rapport, le Parlement européen semblait quand même assez vide ce jour-là.
Est-ce que les parlementaires sont assez engagés Alors je vais vous dire, ça c'est aussi... d'abord, le Parlement européen, vous avez toutes les séances de vote, toutes les séances de débat, mais quand on a, après un débat en plénière, ça doit être Strasbourg, vous avez dû voir, Strasbourg, tous les parlementaires sont là pour les sessions de Strasbourg, même si on va la semaine prochaine à Strasbourg, nous sommes là parce que nous avons les votes à ce moment-là. Mais les débats qui interviennent à Strasbourg sont souvent avec des dirigeants étrangers, mais le travail de fond est fait à Bruxelles. Et donc, le débat, par exemple, sur mon rapport, comment j'obtiens... C'est un rapport qui a été voté à une très large majorité, c'est un des rares rapports, on va dire le seul rapport, qui a été voté avec une aussi large majorité, tout parti confondu. Ça, c'est pas fait le matin même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un débat encore le matin. Mais le matin même, le débat n'avait plus lieu d'être. C'était encore certains, d'ailleurs certains, notamment du Front National, qui contestaient certaines mesures de mon rapport. Donc, c'est les derniers débats pour appeler certains parlementaires à ne pas voter une partie du rapport. Mais, en fait, le gros du rapport avait été déjà négocié, travaillé en commission à Bruxelles. Vous savez, moi, il m'a été donné avant l'été. Enfin, ce rapport m'avait été donné après les attentats du mois de janvier. Je commence, parce que le temps de s'organiser, parce qu'après, il faut se déplacer. Donc, on arrive à juin avec un pré-rapport. Et après, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez voir ce qui se passe dans les pays européens. Vous voyez les bonnes pratiques, parce que vous savez, on n'invente jamais rien. Alors, on regarde comment ça se passe, ce qui est important, pas important. Et ensuite, on a des confrontations politiques. Il y a des sujets, par exemple. Certains disent non, sur le MED, nous on n'est pas vraiment favorable. On est favorable pour les prisons et pas pour ceci. D'autres disant, moi j'ai bien voté une partie de ton rapport, mais dans ce cas-là, il faut rajouter l'école. Et donc, ça, c'est tout le travail de négociation politique. Ça nous prend un temps phénoménal. Donc là, alors moi, j'avais une pratique, une expérience de la négociation du fait de mes fonctions précédentes. Donc, c'est allé plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que moi, je dis aux parlementaires, si on acte, on ne revient plus dessus. Parce que souvent, certains se laissent porter. On avance, on recule. Donc moi, dès que j'avançais, je disais, on avance, on recule plus. Et on essaie. C'est comme ça qu'on a obtenu ce rapport avec ce compromis et cette large approbation. Donc le débat que vous avez vu, c'était les derniers parlementaires qui ne souhaitaient pas aller dans le sens du rapport. Donc on met généralement un interlocuteur pour répondre à ces gens-là, mais sinon tout le travail se fait en commission en Bruxelles. Donc maintenant, on va parler plus de la politique française, mais toujours sur le terrain. C'est la politique française ? Oui, aussi, c'est vrai. Manuel Valls a déclaré à la BBC que l'état d'urgence devrait être maintenu jusqu'à la destruction de Daesh. Est-ce que vous êtes en faveur de cette mesure qui signifierait pour nous de vivre encore bien 10-20 ans avec un état d'urgence permanent en France ? Il ne vous a pas échappé que le Premier ministre a été corrigé par ses services. Il fait cette déclaration, et les services lui disent « non, c'est pas possible ». Et donc, il est obligé de rétro-pédaler parce qu'il n'avait pas compris que juridiquement, on ne pouvait pas le faire. Ou alors, en tous les cas, si on le faisait juridiquement, nous sommes en état de dictature. Il n'y a que les dictatures qui ont des états d'urgence permanents. Parce que l'état d'urgence, comme cela ne vous a pas échappé, les procédures sont des procédures d'exception. On ne peut pas être dans un état où l'état de droit ne devient pas l'état d'exception, si ce n'est une dictature. Donc, franchement, oui, c'est possible, tout est possible, sauf à devenir une dictature. Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les Français. Mais du coup, alors, la réforme constitutionnelle là, qui arrive, votre parti qui a l'air d'être quand même plutôt en faveur de cette réforme, les Républicains, est-ce que dans ce cas, dans la Constitution, l'état d'urgence, c'est pas justement revenir sur des principes démocratiques et peut-être limiter des libertés Non, justement. Alors moi, je veux dire, je suis très à l'aise sur le sujet, parce que quand j'ai réformé la Constitution en 2008, ce point, je l'avais déjà réformé, et la gauche était contre. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui... malheureusement, les événements ont poussé à ça, mais c'est exactement la même mesure, si vous prenez la réforme de la Constitution de 2008. Moi, je l'avais... C'est important, parce que les états d'urgence... Je crois qu'il n'avait pas été utilisé depuis la guerre d'Algérie. Et donc, aujourd'hui, il faut adapter. Nous avons besoin d'état d'urgence quand on est comme ça confronté à une menace aussi importante que le terrorisme auquel nous sommes confrontés, mais avec certaines garanties. C'est pour ça qu'on avait souhaité adapter aux circonstances actuelles, dans le respect de l'état de droit, justement, de pouvoir constitutionnaliser. En fait, l'état d'urgence existe déjà dans la Constitution. On le modernise, on l'adapte aux circonstances nouvelles. D'accord. Mais.
parliez de Guantanamo. Vous avez dit donc que c'était une mauvaise façon de traiter la déradicalisation et les terroristes, mais on a un peu l'impression que la France refait exactement comme les États-Unis après le 11 septembre 2001, avec la loi sur le renseignement, ils ont eu leur Patriot Act, c'est très proche au niveau de... Alors, pas du tout. Patriot Act et la loi sur le renseignement, alors franchement, il y a quand même beaucoup. D'abord, il y a beaucoup de juges. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de... Il y a un point sur lequel la loi sur le renseignement, je suis contre, c'est certaines habilitations qu'on donne aux policiers. Moi, j'étais contre, parce que... Et notamment sur les écoutes téléphoniques, je suis fondamentalement contre, ce qui n'est pas le cas de ma famille politique, mais vous allez voir, un jour, nous aurons un problème. Parce qu'on passe... Les écoutes téléphoniques, c'est très encadré. Moi, j'en ai fait comme magistrat. C'est très encadré. C'est... chacun, il y a des possibilités de recours. Là, on passe... En fait, avant, on pouvait faire des écoutes quand il y avait des indices, ou en tout cas des éléments qui pouvaient amener à dire que vous pouviez être concerné par une infraction. Je m'explique. Vous êtes en lien avec quelqu'un qui est en lien avec une infraction. On écoute la personne. On écoute l'individu parce qu'il est en lien avec une infraction. Vous l'appelez, vous lui dites « Bonjour, ça va, tu veux pas venir prendre un verre ?» Il n'y a pas lieu que vous écoutez. Parce qu'on se rend compte que les propos tenus ne concernent pas du tout l'infraction. Donc, sous les régimes d'avant, on n'allait pas sur... Aujourd'hui, on peut vous écouter, on peut écouter après votre mère qui va vous appeler pour savoir si vous venez dimanche. On peut écouter... Donc, c'est une écoute massive qui va générer des difficultés. Alors, c'est vrai qu'on dit, oui, on régularise les pratiques policières. Moi, vous savez, j'ai fait la grande criminalité, tout ce qui est blanchiment d'argent, criminalité organisée, terrorisme et les braquages. Je peux vous dire, heureusement que parfois, on a des pratiques policières qu'on encadre, qu'on contrôle. Et donc, là, cette loi a permis de régulariser, de rendre légal des pratiques policières. Moi, je n'y suis pas forcément favorable. Moi, je souhaite qu'il y ait un contrôle quand même important. Et le projet de loi antiterroriste qui est sur la table, en ce moment, va beaucoup plus loin, parce que là, on n'écoute plus. Alors là, on écoutait celui qui est en cause, puis tout l'univers autour. Là, on va plus écouter un individu, on va écouter une zone. Et je discutais avec une magistrate du tribunal de Paris, elle me dit, imagine, quand déjà j'ai essayé d'écouter une personne, on a localisé à peu près, parce que les terroristes, évidemment, ils n'ont pas un abonnement, hein, avec leur nom. C'est plus subtil. Donc, on sait, on localise un individu, on sait qu'il est dans cet immeuble. Donc, on essaye de voir, on se branche sur une borne, et on essaye de voir toutes les lignes téléphoniques qui pourraient, avec un algorithme qui pourrait correspondre. Là, avec le projet de loi antiterroriste, on va écouter toute la zone et capter toutes les données. Donc, s'il y a une personne ici qui est en cause et qui est écoutée en ce moment, ben, nos conversations sont écoutées, nos mails, nos données, tout est capté en même temps. Tout. Donc, moi, je ne considère pas ça très démocratique. C'est pas la droite qui l'a fait. Et en ce qui concerne donc, toujours le projet de réforme constitutionnelle, quelles sont vos positions quant à la déchéance de la nationalité pour les binationaux ? La déchéance de nationalité, elle existe déjà. Je l'ai déjà prononcée, magistrat, à l'égard de certains condamnés, certains criminels. Donc ça existe. Pour ceux qui sont... pour les naturalisés. Donc c'est possible. Si on avait voulu étendre cela, éventuellement, je veux dire, je suis à des gens qui ont... double nationalité ou plusieurs nationalités. Après tout, pourquoi pas, on peut le faire dans le cadre de la loi. Ce qui me choque fondamentalement, la Constitution, vous savez, moi j'ai réformé la Constitution sur des points fondamentaux. J'ai encadré le pouvoir du président de la République, j'ai réformé le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai donné plus de droits aux citoyens, j'ai encadré et donné plus de pouvoir au Parlement national. J'ai également créé la question prioritaire de constitutionnalité pour les juristes. C'est une grande avancée démocratique. Et donc, je trouve que ces avancées démocratiques de les mettre dans la Constitution, ça a un sens. De mettre une peine, une sanction discriminante, moi je considère qu'elle est discriminante parce qu'on trie les Français pas en fonction de leur naissance, en fonction d'une origine éventuelle. Donc on met un principe discriminant et une peine dans une constitution qui est une loi fondamentale, et cette loi organise notre communauté de destin. C'est l'organisation des institutions.
Donc ça n'a pas sa place là. Et je vous rappelle que même la peine de mort n'était pas inscrite dans la Constitution. Et donc mettre la déchéance de nationalité que je considère pour les délais français, je considère que c'est un principe discriminant, dans la Constitution, je trouve que ça n'a pas sa place. Et moi, je pense que la gauche sera marquée par cette faute. Je considère que c'est une faute politique et une faute morale que d'inscrire cela dans la Constitution. Pourquoi pensez-vous qu'il va le faire? Moi, je pense que c'est une mesure symbolique, peut-être. De toute façon, elle ne peut être que symbolique parce qu'on déchoit quelqu'un une fois qu'il a commis le carnage. Bon, voilà. Il a commis le carnage, il est condamné à 30 ans, ou à perpète, et on lui dit, tu sais, on va en plus t'enlever ta nationalité. C'est sûr que ça va lui faire beaucoup d'effet. D'autre part, quand vous voyez les profils des terroristes, vous pensez que quand il a mis la petite ceinture d'explosif, subitement, il va le voir à la une du monde, si tant est qu'il le demande, en disant, hé les copains là, je pense qu'il vaut mieux qu'on se débranche parce qu'on va perdre notre passeport. Qui entre temps, ils les ont brûlés. Donc, c'est pas dissuasif, parce que la vertu de la sanction pénale, elle est répressive, mais elle est aussi dissuasive. Vous savez, moi, pour un mineur, quand j'étais de permanence, les mineurs délinquants, c'est une minorité, mais vous placez un mineur en garde à vue, c'est souvent très dissuasif. Ah, il a compris. Hein. Il ressort, vous ne le renvoyez plus jamais. Certains. Mais parce que déjà, quand il est en garde à vue, et quand après, parce que vous le passez en garde à vue, il sort et il recomparaît devant le magistrat. Il dit, oh madame, voilà, c'est trop dur la prison. C'est de la garde à vue. Donc, c'est très dissuasif. Donc, la vertu, en tous les cas, d'une sanction pénale, c'est la dissuasion ou la répression. Là, honnêtement, la répression, c'est pas la déchéance qu'on va rajouter à la peine. Et la dissuasion, honnêtement, je ne pense pas que ces profils-là, ce soit très dissuasif. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose. Personne ne soulève, vous leur enlevez leur nationalité, ils peuvent demander à l'exécuter la peine dans le pays, à la limite, dit d'origine, même s'ils ne le connaissent pas. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, les qualifications pénales que nous avons n'existent pas. Donc si on le renvoie et qu'il fait finir sa peine dans un pays dans lequel la qualification pénale n'existe pas, il sera remis en liberté. Il sortira des radars de renseignement. Moi, je pense que c'est plus dangereux de les avoir dans la nature que de les avoir ici, même en rétention de sûreté. Et puis, vous discutez avec les pays étrangers, ils disent, écoutez, nous, on ne les reprend pas, même quand ils ont une nationalité, on a une difficulté pour les expulsions. Beaucoup de pays ne veulent pas récupérer des délinquants, hein, quand ils ont une nationalité. Et regardez, ça ne vous a pas frappé, quand vous avez comme ça des terroristes, il y en a qui sont morts, les pays ne veulent même pas les récupérer pour les enterrer. Parce qu'ils ne veulent pas en faire des martyrs, notamment dans les cimetières. Donc vous avez beaucoup de criminels, de nationalité étrangère, qui n'ont pas pu être enterrés dans le pays d'origine. Alors imaginez quand il y a en plus une binationalité, et puis de dire des Français, quelle nationalité va prévaloir, moi je trouve que c'est très compliqué. Mais en plus, généralement, dans ce type de mesure, il y a une réciprocité. Donc s'il y a une réciprocité, les autres pays vont dire, attendez, mais nous, on va peut-être vous renvoyer d'autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de binationaux aussi dans les autres pays. Donc la mesure... zéro efficacité, je trouve ça fracture, et notre pays en ce moment n'a pas besoin d'être fracturé. C'est pour ça que je suis défavorable à cette mesure, et en particulier pour l'inscrire dans la Constitution. D'accord, donc là on va sur un sujet plus léger, même si ça reste tout de même sérieux, on va vous parler à la primaire à droite. C'est important, ouais. Pas léger. Vous savez quoi? Vous devez rentrer dans le lourd. Oui, justement, vous qui êtes. Vous n'aimez pas le terme renouveau, mais vous qui êtes une self-made woman, sur la diversité, un exemple de réussite. Est-ce que vous êtes candidate à la primaire? Moi, je vais vous dire, je considère que la France... Voilà, alors, vous êtes tous des générations qui voyagent beaucoup plus. Moi, j'adore la France. Je ne peux vivre qu'en France. Je n'aime que la France. Donc, quand je vais à l'étranger, vous ne pouvez pas imaginer, quand j'arrive à l'aéroport, je vois le CRS, le douanier, je suis super contente. Je vois toute France. Mais même quand je reprends l'avion, même quand c'est Air France, je vois un peu bleu, blanc, rouge, je suis trop contente de rentrer. Donc, c'est un bon départ. Non, mais ce que je veux dire, j'aime ce pays, je trouve que c'est un grand pays. On est un grand peuple. Et moi, je considère, avant, quelqu'un qui disait, les candidats à l'élection présidentielle, c'était énorme. On se disait, oh, ah oui, oh là là, mais... D'abord, beaucoup, ça ne leur venait même pas l'esprit, tellement c'est énorme. Maintenant, on a l'impression que c'est un casting pour aller prendre un job. Tu sais, il y a un truc tous les ans, le plus beau job du monde, là.
pour aller s'occuper du Nil ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que ça devient le casting du plus haut job de je sais pas quoi. Ben, moi je trouve qu'on a abaissé la fonction présidentielle et on a abaissé ce qu'était la France. Parce que moi j'étais contre les primaires. Et puis on s'est laissé piéger par la gauche. Je crois toujours que ce que fait la gauche c'est bien. On croit que ça fait jeune, ça fait mode, ça fait moderne. Ben, moi je préfère être pas jeune, pas moderne. Peut-être un peu conservatrice, un peu traditionnelle, mais je préfère encore que la France, ce soit encore la rencontre d'un grand homme d'État avec un grand peuple et un grand pays. Donc voilà, donc, moi... Vous ne sentez pas la place de grand homme d'État? Moi, je considère que la France... Non, mais bah, c'est sûr, si vous comparez aux autres, pourquoi pas? Moi, je parle de la France, je ne parle pas des autres. Mais... Donc, vous ne soutiendrez pas un candidat en plus? Bien sûr que si, je suis sportive. Je ne fais pas de la politique pour ne pas m'engager, ça ne va pas échapper. Moi, je suis pas. Moi, c'est comme les gens qui s'abstiennent, ceux qui n'ont pas d'idées, pas d'opinion. C'est toujours suspect, ça. Toujours entre deux. Ah, mais non. Ah, mais non, mais tu sais, racheter un an, pas trop. Ou alors, un petit peu oui, un petit peu non. C'est le pire. Non, mais c'est pas mon tempérament, c'est pas ce que j'aime. Et alors ce mec s'en sort toujours. Hein. Moi je prends toujours plus cher. Mais c'est vrai que forcément je suis engagée en politique, je vais soutenir un candidat, je vais soutenir un projet, je vais soutenir. Moi je veux que ma famille politique gagne. Parce que si je m'engage en politique, c'est que je veux que ma famille politique dans laquelle je suis engagée gagne. Voilà. Et c'est la mode apparemment en ce début d'année. Est-ce que vous avez prévu de sortir un livre? Moi, je pense que si vous sortez un livre, il faut d'abord savoir écrire. Non, mais ça ne vise personne, je dis. Et la deuxième chose, il faut avoir quelque chose à dire. Donc voilà, moi, je... Non, mais pour des fonctions, mais que ceux qui écrivent parce qu'ils sont candidats, ça a un sens. Mais si c'est écrire pour écrire, ça n'a pas de sens, aussi. Je l'achèterai, ma famille l'achètera, ça me fera plaisir. Bon, voilà. Du coup, le livre de Jean-François Copé, aucun intérêt? Non, mais c'est, d'abord, il a été chef de parti. Non, mais c'est un peu facile. Je vais vous dire, ça, c'est comme tous les gens qui disent tous pourris, vous êtes tous des nuls et tout. Ouais, ok, voilà, très bien. Mais je veux dire, l'engagement politique, sauf à faire. Si c'est un engagement facile, comme dirait l'autre, ça coûte pas cher. Mais le vrai engagement. Quand vous voulez vous engager, quand vous voulez vous battre pour des idées, pour des convictions, pour un parti, pour un pays, pour une cause, ça coûte, hein. Ça vous coûte en énergie, sur votre vie personnelle, sur votre... mais même sur votre mental. C'est un engagement pour tous les instants. Vous croyez quoi? Quand on rentre chez nous, on ferme, on dit oh, « c'est fini, la politique, c'est fini ». Quand vous êtes engagé en politique, c'est tout le temps, partout, quoi que vous fassiez. Donc c'est long. Il a été chef de parti. Ça vous a pas échappé aussi qu'il y a eu... il y a eu quelques difficultés. Qui s'en explique? Qu'il dise ce qu'il a ressenti? Qu'il dise si ça a été injuste ou pas injuste? Après, vous faites votre appréciation. Mais moi, je lis tous les livres. Moi, je lis des livres aussi d'hommes de gauche. Il y a des livres qui sont intéressants. Bah, il y a des... Moi, par exemple, quand Ségolène Royal s'est présentée, je trouve qu'elle était intéressante. Ça m'intéressait ce qui pouvait se faire sur elle. Voilà, moi, je trouve que quand vous faites de la politique, vous vous intéressez à tout le monde. Au contraire, sinon, c'est du sectarisme. Après, si vous, moi, ce que j'aime pas, c'est de dire, voilà, vous racontez votre vie, et puis tout est à l'aune de votre vie. Non, vous engagez votre politique, les gens ne vous demandent pas de vous raconter votre vie. Ils vous demandent peut-être qui vous êtes, mais ils vous demandent ce que vous allez faire pour eux. Et c'est là où c'est important. Donc, moi, je pense que ces hommes, ces femmes politiques qui écrivent dans la perspective d'une ambition ou pour expliquer des événements, moi, je trouve que c'est un sens. Nicolas Sarkozy, il a été président de la République pendant 5 ans. Il a été battu, on lui a reproché des choses. Il est peut-être, effectivement, il veut peut-être briguer de nouveau ses fonctions présidentielles. Il a des choses à dire. C'est pas rien que d'avoir été président de la République. Donc, moi, je trouve que ça a un sens. Après, écrire pour écrire, soit quand vous me dites écrire un livre, oui, bah, écrire pour écrire, on peut se faire plaisir. Mais moi, je trouve que la politique, c'est plus grave que ça, c'est plus sérieux que ça, et c'est plus lourd que ça. Alors, avant de passer aux questions du public, nous vous proposons quelques questions un peu plus relaxes, c'est très simple. En fait, nous allons vous proposer deux choix, et vous
Vous choisirez l'un des deux le plus spontanément possible. Nuit sur scène ou Bordeaux? Oui, ça dépend. On peut y faire. Bordeaux, c'est une belle ville. C'est là où j'ai fait mon école de la magistrature. Et il y a un excellent vin qui s'exporte partout dans le monde. Je pense aux Neuilly. Je pense au maire. Il faut dire les choses. Vous voyez, vous pouvez faire un bon politique à ne pas dire les choses, mais généralement, on se rétame. Hein. Donc, c'est quoi? C'est Neuilly, Sarkozy, il est plus à Neuilly. Et Juppé, c'est où Juppé au Sarko? Voilà. On gagne du temps. Juppé ou Sarko, moi je m'entends bien avec les deux, mais on va voir quand. Non, en plus, ils appartiennent. Non, mais le socle idéologique est le même. Maintenant, pour la présidentielle, je vais faire ma. Ah, donc, okay. C'est un peu oui. Voilà. On voulait vous demander qui doit partir, Taubira ou Macron? Bon, maintenant qu'on a la réponse, un petit commentaire là-dessus. Alors, moi, quand j'ai été nommée ministre, d'abord, c'est assez bouleversant. Moi, la plus belle expérience professionnelle que j'ai eue, enfin professionnelle, personnelle, c'est quand j'ai été porte-parole. C'est quand vous êtes porte-parole d'un candidat à une élection présidentielle. En plus, souvenez-vous, vous étiez encore peut-être très jeune, mais c'était une ambiance assez exceptionnelle. On était portés. On était une toute petite équipe, on était très soudés, on était très spontanés. Moi, j'ai eu aucune formation de rien et j'ai pris aucun entraînement de rien pour être porte-parole. Donc tout se faisait, je travaillais les dossiers hauts, mais on était à l'attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai adoré faire ça. Alors après, quand vous êtes nommé ministre, passez dans une autre, dans un autre univers. Quand vous êtes ministre, c'est une charge, c'est un honneur. Ça vous isole, on peut pas être, vous n'êtes plus vous-même, pour des tas de raisons. C'est à un moment donné, c'est totalement en particulier, alors, sur un ministère comme celui de la justice. Ce que je n'aime pas, alors, d'accord, elle démissionne, très bien. Moi, je pense qu'on démissionne. C'est pas quand on a avalé, par une couleuvre, c'est pas quand on a avalé tout le zoo entier qu'il faut démissionner. C'est à un moment donné, si ça heurte, on s'en va. Moi, j'ai eu des moments de conflit avec Sarkozy sur des mesures. Par exemple, il voulait faire le procureur général de la Nation. J'ai été contre. On a eu une discussion. S'il avait fait le procureur général de la Nation, j'aurais peut-être démissionné. J'en sais rien. Mais s'il avait maintenu, et c'était un programme, je n'ai pas voulu, il m'a suivi. Autre chose, le contrôleur général des prisons. Il n'était pas favorable. J'y étais favorable. Je l'ai convaincu, on l'a fait. Question prioritaire de constitutionnalité. La manière dont on l'a faite n'était pas sa position. Donc c'est des débats qu'on a avec le président. C'est de haut niveau, c'est de bonne qualité, c'est des débats de fond. Alors après, quand on démissionne, parce qu'on considère qu'on n'est plus en accord avec sa position, très bien, très bien. Mais là, moi, je rentre, c'est pas non plus héroïque. L'héroïsme, c'est quand vous avez marqué votre poste, quand vous avez marqué votre temps, quand vous êtes battu pour une cause, vous avez accédé, ou en tous les cas, si vous n'y accédez pas, vous partez tout de suite. Mais là, moi, je trouve, c'est un peu tard pour démissionner. Bon, voilà, elle a démissionné, dont acte. Et de dire sur Macron, moi, je suis un peu gênée parce qu'on se connaît. C'est quelqu'un de talent, très intelligent. Et il a une vraie qualité, parce que quand il ne sait pas, quand il ne connaît pas, on n'est pas du même milieu, on ne vient pas du même monde, on n'a pas les mêmes parcours, et on échange. Il ne dit pas « j'ai raison, c'est comme ça ». Ça l'intéresse. Parfois, moi, je vois des choses, je lui dis « tiens, il y a ça, regarde, ça peut peut-être t'intéresser ». Il s'intéresse à tout. Donc, moi, je trouve que c'est… Vous parliez tout à l'heure de renouvellement. Le renouvellement, il est dans le mode de fonctionnement aussi. Ça, c'est effectivement une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire de la politique. Donc, voilà. Et Taubira, c'est aussi une manière de faire de la politique, mais on ne peut pas… avoir tout tenté au sens. Parce qu'elle voulait rester au gouvernement, y compris sur la déchéance de nationalité. Elle a pensé à un moment donné qu'un compromis pouvait lui sauver son poste. C'est pas. Là, moi, j'appelle pas ça de la cohérence. Voilà.
Sciences Po ou Dauphine? Alors je vais vous dire, moi je vais vous dire Dauphine, pas pour vous faire plaisir, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'ai fait l'université, parce que c'était, quand j'ai passé mon bac, il était hors de question pour moi de faire les grandes écoles, je n'avais pas les moyens. Parce que comme vous le savez, les grandes écoles font la classe prépa, et ils ne pouvaient pas travailler à côté. Le seul moyen pour moi de faire des études supérieures, c'était de faire l'université. Je n'allais pas en cours magistraux, je ne suivais pas mon exam. J'allais à tous les TD. Donc j'allais au TD, mais pourquoi? Parce que je travaillais de nuit et je travaillais de temps en temps un peu le jour. C'était le seul moyen pour moi de faire mes études et de financer mes études. Mes parents n'avaient pas les moyens. J'avais une bourse qui ne couvrait pas, pour ceux qui sont boursiers ou ça, ça ne couvre pas votre loyer, ça ne couvre pas votre mode de vie. Et donc, l'université a été pour moi, c'est pour ça que moi, l'université, c'est précieux et crucial. Ça permet, en tous les cas, des gens comme moi à l'époque, qui n'avaient pas les moyens matériels, mais qui avaient les capacités de faire des études supérieures, de pouvoir travailler et de faire des études. J'ai travaillé 5 ans de nuit en milieu hospitalier. J'ai travaillé également de jour, je faisais des admissions dans en milieu hospitalier. C'était très, très formateur. J'ai travaillé au rayon charcuterie d'une grande surface, si vous pouvez imaginer, sans connaître vraiment la charcuterie. Donc, mais j'ai fait tous ces jobs, et c'était possible avec l'université. Donc c'est pour ça que moi je trouve que l'université a ça, que c'est possible pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont la possibilité de faire des études supérieures. Mais Sciences Po, c'est très bien, ça a changé. Trafic ou légalisation? Je suis contre la légalisation du cannabis. Voilà. Moi, je suis contre la légalisation de ce type de produit stupéfiant. Je vais vous dire pourquoi. Et maintenant, c'est devenu plus... ça se dit plus facilement. Je vous dis qu'aujourd'hui, ceux qui... Alors, vous allez me dire, moi, je vois bien, je me bats aussi contre ça dans mon arrondissement, avec les lycéens, les collégiens. Oui, mais fumer une fois, mais madame, tiens, c'est pas fumer une fois, c'est pour ça que je suggère. C'est que il y a des lésions irréversibles, y compris avec le cannabis. Moi, je vous le dis, quelqu'un qui a fumé, qui s'est drogué, alors, pendant très longtemps, la cocaïne, qui était la drogue du riche, il y avait moins de phénomènes de dépendance. Et maintenant, comme toutes ces drogues sont coupées, ils sont coupés par de l'ammoniac, sont connus. Moi, je veux dire, c'est un sujet que je connais parfaitement. C'est aujourd'hui, les stupéfiants sont des produits qui sont coupés, extrêmement dangereux. Et ceux qui tombent là-dessus, c'est irréversible. Il y a des lésions irréversibles. Donc, je suis contre. Moi, je préfère qu'on fasse beaucoup sur la prévention, beaucoup sur la lutte contre les addictions. À la limite, qu'on dise sur le pénal. Moi, je faisais, par exemple, sur... moi, je luttais beaucoup sur, évidemment, les trafics de stupes. Mais sur les consommateurs, vous savez ce que je faisais? Je les incarcérais un peu pour les sevrer. Non, mais c'est, je vous le dis. Et souvent, ça me permettait après de faire un travail de réinsertion avec eux. Pour moi, il y a des causes, j'ai beaucoup lutté, des causes dans lesquelles je me suis engagée à titre personnel, mais en entraînant aussi, où on a mis beaucoup d'argent, la toxicomanie des jeunes et les violences faites aux femmes. Ça, c'est deux combats que j'ai depuis. Et dernière du coup, taxi ou Uber? Je vais vous dire, Uber, c'est un sujet, mais vous êtes bien placé. Moi, je vais vous dire, on est 12 enfants, et j'ai pas loin de 50 neveux et nièces. Donc il y a du jeune, tous les âges et tout. Et donc, certains sont Uber, parce que ça coûte moins cher, aussi, de le dire. Et c'est vrai que ça rassure les parents qui reviennent en voiture, surtout quand ils sortent. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est pas d'être contre les taxis, contre Uber, Il y a aujourd'hui, quand on dit l'ubérisation de la société, les nouvelles technologies, le numérique, enfin, c'est... Alors, dans ce cas, on ferme les yeux, et ça va pas empêcher l'évolution. Le sujet des taxis, je pense qu'on a... Nous, on n'a pas été courageux à l'époque. Moi, je me souviens, il y avait eu un rapport, le fameux rapport Attali, sur la réforme des professions réglementées. C'était en 2007 ou 2008. Moi, j'ai fait le boulot, j'ai fait la réforme matière judiciaire, j'ai supprimé les avoués, j'ai revu les huissiers et les notaires, des professions réglementées, donc j'ai réformé tout ça. À l'époque, on voulait réformer les taxis, et j'avoue qu'on a un peu faibli, sans doute parce qu'on a eu peur aussi des mouvements, mais on aurait dû le faire à ce moment-là, parce que le sujet des taxis, ils ont des charges, et en plus, ils ont un boulet au pied qui est le coût de la licence. Donc quelqu'un qui a payé, qui s'est endetté, qui a payé une licence 300 000 euros
ou 500 000 euros. Et aujourd'hui, avec Hubert, on va lui dire, vous faites le même job, réduit, zéro charge, et en plus, il n'a pas cette contrainte liée à cette licence. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est aujourd'hui, et dès maintenant, et pas attendre, trouver un phénomène de compensation pour ces licences, le coût des licences pour les taxis, et réduire, avec, c'est comme dans une entreprise, quand vous faites un amortissement, un investissement, vous amortissez. Je pense qu'il faudrait trouver un fonds qui puisse bénéficier à ces taxis pour amortir le coût de la licence. Revoir sans doute les charges sociales, mais de dire supprimer Uber, ça n'a pas de sens. Nous allons passer donc aux questions du public. Alors sur le cumul des mandats, ce qu'on a un peu aussi diffusé dans l'opinion publique, c'est qu'on pense que cumul des mandats égale cumul des indemnités. C'est faux. Moi, je ne suis pas payée comme maire. Je suis payée uniquement comme parlementaire. Donc il faut savoir que quelqu'un qui cumule des mandats ne fait pas de cumul d'indemnités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je suis favorable à ce qu'il n'y ait que deux mandats. Alors deux mandats, pas n'importe lesquels. Parce que d'avoir plein de mandats, moi je, par exemple, je peux être administrateur de la Tour Eiffel, on peut être administrateur, on a pas mal de possibilités de mandats. Moi j'ai toujours refusé, donc je mets, il y a d'autres adjoints qui sont administrateurs de la Tour Eiffel, ou dans d'autres établissements, dans les établissements scolaires, dans les équipements publics. Ça moi je ne le veux pas, mais je garde mon mandat de maire comme exécutif et mon mandat de député. Je considère que le mandat de maire et député, ça permet d'avoir des assemblées parlementaires qui quand même légifèrent. En lien avec les contingences et les réalités locales. Parce que quand vous êtes que député, moi si j'étais que député européen, il y a plein de choses à côté desquelles je pourrais passer, ou en tout cas dans la compréhension. C'est une réalité. Moi je trouve que d'être député maire ou sénateur maire, c'est plutôt pas mal. Maintenant ça a été voté, je pense, nous à droite, on souhaite y revenir, je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'on a installé dans l'opinion publique que le non-cumul des mandats permettrait de réduire les indemnités, donc ce qui est faux, donc ça c'est, mais aussi de renouveler la vie politique. Évidemment, au lieu d'avoir une personne, on en aura deux, mais là il y aura deux vrais salaires, alors, pour le coup. Mais je ne sais pas si ça va forcément améliorer la vie démocratique, j'en sais rien. Je vous le dis. Ça va favoriser, pour le coup, les investitures des femmes, parce que ça va permettre de libérer des places. On a un vrai retard sur la parité en politique. Ça peut être aussi cette vertu-là. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Je voudrais revenir un peu sur la déradicalisation. Manuel Valls a annoncé, je crois, en décembre, de créer la création d'un centre de déradicalisation pour les jeunes qui revenaient, potentiellement qui sont condamnés pour actes de terrorisme. Il y a beaucoup de débats autour de ces centres, et concrètement, j'arrive pas à voir ce que ça implique. Pas comment on peut, alors chez les jeunes radicalisés, qui n'ont pas encore commis d'actes terroristes, et ceux qui ont déjà commis d'actes terroristes, je ne sais pas comment on peut concrètement les convaincre à revenir vers les valeurs de la République, et comment voir qu'ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle la taqiya, le déguisement, vous savez, de la foi, pour éviter de passer au travers des opérations de numéro et du filtre. Bah moi je vous raconte très simplement, les centres qui ont été annoncés, qui se sont annoncés, n'existent pas. Ils n'existent pas du tout, ni sur papier, ni dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le statut. Quel est le statut? Hôpital psychiatrique, centre de rétention, prison, établissement public? Quel est le statut des établissements pour accueillir? Sur le mode de l'adhésion, si quelqu'un est fortement radicalisé, moi je vois pas ces types-là venir faire sonner à la porte en disant « Bonjour, je suis un peu radicalisé, j'aimerais que vous me déradicalisez. » Je crois pas. Donc aujourd'hui, on n'a pas le programme, on n'a pas les acteurs et on n'a pas encore le mode d'emploi. C'est un modèle à construire. On pourrait s'inspirer d'autres pays européens, mais je peux vous dire qu'on est au vraiment degré zéro de la déradicalisation. C'est tout le sujet qu'on a eu, d'ailleurs, en prison, mais aussi dans les écoles, vous savez, pour lutter contre la pédophilie. Pendant très longtemps, c'est un sujet dont on ne parlait pas. Le jour où il a été mis sur la table, avec l'ampleur qu'on a connue, il a fallu d'abord soigner ces gens, mais aussi le détecter, notamment dans les écoles. Et donc, c'est un modèle qu'on a construit. Moi, j'ai mis en place dans les prisons ce qu'on appelle les commissions pluridisciplinaires. Et là, on met du personnel pénitentiaire, des psychiatres, des psychologues,
des magistrats, des éducateurs, des enseignants. On essaye de faire des commissions pluridisciplinaires, chacun à son niveau, essayant d'affiner un programme de travail. Et donc, tout ça est à construire. Mais aujourd'hui, non seulement on ne l'a pas, mais en plus, on n'a même pas mis une mission de préfiguration pour le construire. Il y a une dame, par exemple, qui a été nommée Madame Blin à l'administration pénitentiaire. Moi, je l'ai interrogée, elle dit « Moi, j'ai été nommée pour mettre en place le plan de lutte contre la radicalisation. » Elle dit « Je ne sais pas quels sont mes moyens, mais je ne sais même pas avec qui commencer. » Donc, à un moment donné, c'est la volonté politique, c'est de dire qui on met en charge. Il faudrait faire une mission de préfiguration avec des psychiatres, des psychologues, des enseignants, pour essayer de détecter ce phénomène. Alors certains ont comparé ça au phénomène sectaire, mais c'est différent du phénomène sectaire, c'est encore un autre sujet. Vous savez, les sectes, pendant longtemps, on ne savait pas traiter, on ne savait pas poursuivre, on ne savait pas condamner, on ne savait pas comment... Par exemple, quelqu'un qui partait dans une secte, les familles venaient appeler à l'aide, et on leur disait, ils sont adultes, on ne peut pas les récupérer. Et on disait, mais ils sont sous influence. Mais ça, il fallait pouvoir trouver quelque chose pour justement enlever cette influence. Donc on a mis en place des programmes, justement pour lutter contre les dérives sectaires, parce qu'on a identifié le phénomène. Et là, ce modèle-là est à construire en France, et aujourd'hui, on n'a pas encore commencé, ne serait-ce qu'à y réfléchir. En fait, de mettre au moins des gens autour de la table pour y réfléchir. Rien. Donc ce qui est annoncé est sur rien, pour l'instant. Madame Dati. Je voulais revenir sur Internet, sur les vidéos copiées par Daesh, qui ne sont pas accessibles pour ceux qui vont sur Internet. Donc, j'aimerais savoir si justement cacher ces images Daesh qui montrent vraiment tous les crimes qu'ils commettent, est-ce que ce ne serait pas contre-productif, parce que d'un côté on cache, on laisse planer une part d'ombre sur ce que font Daesh, et par exemple, je pense à la vidéo où on voit l'homme brûlé dans le cage. Je pense que, par exemple, pour les femmes qui pensent partir à l'État islamique pour faire de l'humanitaire, c'est ce qu'on entend dans les documentaires, tout ça. Je pense que, justement, voir vraiment la réalité de ce qu'est Daesh à travers leurs vidéos, mais aussi à travers d'autres vidéos, pourrait être violente, certes, mais qui pourrait éclairer la chose, serait peut-être mieux que de tout cacher. Oui, mais ça, c'est tout le sujet de l'image. Il faut avoir le recul et l'interprétation de l'image. Vous, la preuve, vous dites, vous êtes choqué de voir quelqu'un brûler dans une cage. La vidéo de Daesh ne dit pas « Regardez ce monsieur qui brûle dans une cage ». C'est pas comme ça. La vidéo de Daesh dit quoi ? Ce monsieur qui brûle dans une cage, qui est un mécréant, qui tue vos frères, qui assassine ceci. Donc, il y a tout un discours de propagande qui conduit à l'homme qui brûle dans la cage. Donc mettez-vous en face d'un esprit un peu faible, vulnérable, sadique, pervers, ce que vous voulez. Vous allez dire, bah oui, ils ont raison. Bah oui, ils ont raison. Ceux qui s'attaquent aux nôtres, eh ben, il faut qu'ils finissent comme ça. Donc, vous imaginez bien que cette vidéo de propagande est une incitation à la barbarie. Donc vous ne pouvez pas laisser cette diffusion. Pour le coup, ensuite, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut effectivement établir le contre-discours. Et le contre-discours, c'est quoi d'autre que de mettre, effectivement, un discours pour prendre de la distance par rapport à l'image et d'expliquer pourquoi cette barbarie n'a aucun sens et rien ne peut justifier cette barbarie. Il est là le sujet. Parce que il y a un débat en ce moment sur un film qui doit sortir. Ouais. Bah, vous avez le recul, moi j'ai le recul, d'autres ont le recul, d'autres sont écœurés. Imaginez que les gens applaudissent dans la salle. On fait quoi? Donc, l'image, sans le recul, pourquoi alors on ne diffuse pas? Il y en a des documentaires sur les nazis qui commettaient des choses abominables. Pourquoi ils ne sont plus diffusés? À l'état brut. Non, à l'état brut. Ça revient exactement au même. Si vous n'avez pas le recul par rapport à l'image, c'est très dangereux. Puis moi, je veux vous dire, alors c'est peut-être la déformation professionnelle. Moi, j'ai été magistrat, j'ai rencontré des jeunes radicalisés. Il faut entendre leur discours, hein, ça glace. Hein. Puis il y a des femmes. Moi, par exemple, j'ai toujours été un peu interloquée.
on a un peu élevé les filles, vraiment, prince charmant, des belles histoires de princesses, tout ça. Franchement, Daesh, c'est pas le cas. Hein. Donc je suis toujours un peu. Je me dis, comment une femme peut se dire, je pars, mon rêve est là-bas. De dire, je vais vivre dans une grotte. Avec quand même un barbare tyran.